Cacadro, tu as fait beaucoup pour nos enfants et nous. Tu es l'espoir. Nous n'avons ni café, ni cacao. C'est vrai, c'est sur toi que nous comptons. Grâce à Dieu, Cacadro, tu nous as comblés. En son nom, nous te disons merci. Ce sont sur ces paroles mélodieuses que ces femmes chantent les bienfaits de Cacadro. C'est l'appellation du gingembre en Anibona, la langue locale, précisément dans le département de Koun-Fao, au nord-est de la Côte d'Ivoire, entre Abengourou et Bondoukou, dans la région du Gontougo. Ici, le climat et les sols sont propices aux activités agricoles. Koun-Fao, c'est vraiment une grande zone de production agricole. Toutes les conditions sont réunies pour pratiquer toutes les spéculations. Vous avez les spéculations pérennes, vous avez aussi les cultures vivrières, les cultures maraîchères. Et en dehors de ces cultures, il y a une autre culture qui, chaque année, prend de l'importance, c'est le gingembre. Cette culture vient en appoint pour enrichir et diversifier le concept culturel dans cette région qui s'identifie pratiquement par la culture du gingembre. Des populations pour cette culture est liée à la forte demande et à l'amélioration des revenus de la vente du gingembre dans cette localité. Aujourd'hui, la culture du gingembre impacte positivement la vie des habitants. En reconnaissance aux bienfaits qui découlent de la production du gingembre, les communautés de Kwaku Krakro et Kun Aounzi décident d'organiser des moments festifs en son honneur. Ainsi, le 23 octobre 2016 fut choisi comme le jour du gingembre. Le gingembre, c'est une culture qui a permis à ce village, à certaines personnes, de réaliser beaucoup de choses. Nous célébrons ce jour pour que le monde entier sache que vraiment c'est une bonne culture et c'est le vrai. Le gingembre à Kwaku Krakro, c'est l'original. En célébrant le gingembre, ces populations marquent leur adhésion à sa promotion. Aujourd'hui, hommes et femmes, jeunes et vieux, sont convaincus que le gingembre pourrait relancer l'économie et faire reculer la pauvreté dans la région. On n'a pas coutume de dire que la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Alors, Koun-Fao et principalement toute la région continuera à offrir en abondance, avec fierté, ce qu'elle a de plus beau, le cacadro.